J'irai où tu iras, pour que tu m'aimes encore, s'il suffisait d'aimer. Sur scène, 25 tubes de Céline Dion sont repris. Un hommage à l'artiste que lui rend le metteur en scène Jacques Ravello du Parc. Avec une troupe de 6 chanteuses et chanteurs aux voix et 4 danseuses et danseurs, le directeur artistique du Festival de l'île Chauvet, Vendée, Pays de la Loire, qui se tient jusqu'à ce samedi 12 août, fait vibrer le public. Aux côtés des professionnels de la comédie musicale, le présentateur de la soirée, Florian Clairet, a amusé le public en imitant la diva canadienne. Productrice de l'événement, Françoise Quérault ne cache pas son émotion. Dans les colonnes de Ouest France, elle raconte « Nous avons vécu 2 soirées extraordinaires, les 2 et 3 août », note de la rédaction. Les spectateurs qui agitaient leur portable allumé, n'ont pas hésité à reprendre en chœur les refrains connus avec les artistes. C'était très émouvant de voir le public vibrer autant. Supérieur à supérieur à photo, Céline Dion, son incroyable évolution beauté en 50 looks qui ont marqué sa carrière. Céline Dion se livre sur la maladie qui affecte chaque aspect de sa vie pour l'heure. Les fans de Céline Dion devront se contenter de ces moments de nostalgie. Atteinte de la maladie de l'homme raide, la chanteuse de 55 ans expliquait en décembre dernier que ce trouble, qui touche une personne sur 1 million, est la cause des spasmes qui affectent chaque aspect de sa vie. Contrainte de faire une pause dans sa carrière, elle assurait travailler très dur pour récupérer ses capacités. Avant de reconnaître avec regret, c'est difficile. Et d'ajouter, tout ce que je sais faire, c'est chanter, c'est tout ce que je fais dans ma vie et c'est ce que j'aime le plus au monde. Je me donne toujours à 100% lors de mes représentations, mais ma condition actuelle ne me permet pas de vous donner cela en ce moment. Je fais tout ce que je peux pour me rétablir. Depuis, rares sont les nouvelles sur son état de santé. Lors d'un entretien accordé au Figaro, l'auteur-compositeur Jacques Vénérouzo expliquait que Céline Dion était fatiguée, son état n'évolue ni dans un sens positif ni dans un sens négatif. Mais il se montrait optimiste, elle travaille fort et on est confiant qu'on va y arriver. Crédit photo, agence.